Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. Je vais vous parler de toutes mes lectures du mois de juin et du mois de juillet. Il fait très chaud, il fait à l'intérieur 30 degrés, ressenti 72, donc j'ai ouvert les fenêtres. Donc il y aura peut-être des petits bruits environnants, mais le principal c'est que vous entendiez ma voix, que vous entendiez ce que je dis, je pense que ça devrait aller. J'ai donc 20 livres à vous présenter, puisque j'ai lu 4 livres au mois de juin et 16 au mois de juillet, sachant qu'il y a beaucoup de graphiques, donc il y a certains livres pour lesquels je vais passer assez vite. Je vais refaire un ordre d'appréciation, donc je vais commencer par les livres que j'ai le moins aimés et je vais terminer par ceux que j'ai préférés. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une déception puisque en juin j'avais lu The Savior's Book Cafe in Another World. J'avais besoin d'une lecture réconfortante, cosy, à souhait, et donc j'ai lu ce manga en VO. Je pense qu'il y a plusieurs titres qui sont déjà sortis de cette saga. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui va être contactée par une entité qui va lui proposer de changer d'univers, de changer de monde et de sauver ce monde en question. Elle va très vite accepter, hein, visiblement elle n'a pas beaucoup de scrupules à quitter notre monde, elle va très vite accepter. Et sur place, elle va avoir certains pouvoirs, elle va développer très rapidement certains pouvoirs et elle va commencer à ouvrir un café littéraire. Visiblement, c'est un peu sa passion. Elle va rencontrer un personnage qui va rendre visite à son café littéraire. Elle va tomber un petit peu sous le charme de ce garçon. Donc dans ce premier tome, on a très peu de personnages. On a seulement notre héroïne, le garçon qui vient lui dire bonjour et éventuellement un autre protagoniste. On a très peu d'informations sur l'univers en question du monde quand même qu'elle est censée sauver. Hein. On a très peu d'infos. On a plus le côté, bah voilà, je construis mon book café. Et surtout, on a ce côté très frustrant pour moi de lire qu'elle a des pouvoirs hyper facilement, elle claque des doigts, elle sait tout faire. Et j'étais un peu frustrée parce que moi, j'aime bien quand même quand les personnages méritent un peu, quand ils bossent un petit peu, quoi. Enfin, quand c'est pas trop facile. J'ai pas retrouvé le côté très satisfaisant qu'il y avait, par exemple, dans Legend of Latte. Quand elle faisait Legend of Latte, justement, toutes les difficultés qu'elle va rencontrer, ici, tout est facile. Alors, je me doute bien que c'est pas le sujet principal, mais comme on parle que de ça dans ce premier tome, bah, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Et en fait, non, tout est hyper facile. Et donc, je pense que je vais quand même lire le second tome, puisque j'ai envie de voir aussi l'univers en question, hein, qui elle est censée sauver. Je pense que je vais lire le tome 2, mais en fonction de mon avis sur le tome 2, je lirai la suite ou pas, mais il y a beaucoup de chances que j'abandonne. Mais sinon, les dessins sont très jolis hein, et c'est réconfortant comme je l'espérais. Un autre livre qui est également une déception et c'est également un graphique. Je crois qu'il y a 5 graphiques et puis je passe au premier roman dont je dois vous parler. Donc voilà, il y a beaucoup de graphiques. Donc ceux qui n'aiment pas les graphiques, je vais mettre un... Je pense que je vais séparer la vidéo dans un, avec un timing. Comme ça, vous voyez directement les livres qui vous intéressent. Je mettrai tous les livres en barre d'infos. N'hésitez pas, voilà, si les mangas par exemple ne vous intéressent pas, allez voir directement les romans qui vous intéressent. Alors, le manga suivant, je vous en ai parlé également dans mon dernier vlog, il s'agit de L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki aux éditions Akata, c'est un tome 1. Ce qui est très drôle, c'est que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Je l'ai vu dans plusieurs librairies en tant que coup de cœur, je l'ai vu chez plusieurs blogueurs, blogueuses. Et en fait, moi j'ai pas eu un coup de cœur, je dirais certainement pas la suite. L'histoire est très mignonne, donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui a un compte Instagram culinaire, elle fait beaucoup de recettes pour justement alimenter ce compte, sauf que le problème c'est qu'elle a pas beaucoup d'appétit, elle arrive pas à terminer tous les plats qu'elle fait pour son blog, c'est un peu embêtant. Et elle veut trouver une solution et elle la trouve chez sa voisine qui visiblement a beaucoup d'appétit, et donc elle va contacter sa voisine pour lui demander si elle veut bien terminer de temps en temps des plats et partager ensemble justement certains plats qu'elle fait, et entre elles va s'installer une petite relation.
relation très mignonne et je pense vraiment qu'on va avoir une romance. Alors, l'histoire est chouette, ça ressemble très très fort à Nos rendez-vous gourmands dont je vous parlerai après. Oui, une relation basée sur la nourriture, franchement l'histoire est chouette, mais le problème dans ce livre, c'est vraiment que toutes les trois pages, on a des gros plans sur la bouche de cette jeune femme qui mange, et on a quelque chose de pas très appétissant de voir ses dents, de voir les mastications, de voir sa bouche qui mange, de voir ses dents, c'est pas très appétissant et c'est très récurrent dans le récit. Du coup, moi, au début, ça m'a fait rire. Je me dis, allez, c'est fou. Elle a mis vraiment le gros plan là-dessus, quoi. Mais je trouve que les plans sont pas... Voilà, bon, un peu déroutés quand même. Et je pense que ça se voulait un petit peu sensuel pour la personne qui regarde. Sauf que c'était pas du tout le cas. Ou alors, c'était censé être drôle. Et du coup, j'ai ri, c'est réussi. Mais voilà, je vous avoue que j'ai été très déstabilisée par ces gros plans. Donc, je ne dirai pas la suite. Vous allez dire, c'est assez superficiel. Hein, pour ces histoires-là, j'ai pas envie de lire la suite. Mais écoutez, j'ai beaucoup de sagas en cours, de mangas. Et s'il y a vraiment une chose qui me dérange déjà dans un tome, je pense que je vais pas aller plus loin. Ensuite, j'ai lu l'adaptation de Nevermore, Les délits de Morrigan Crows, qui est adaptée aux éditions Jungle Pépite. Et c'est Lhermenier et Laboureau qui ont adapté ce roman de Jessica Townsend. Alors, je me suis procuré ce livre-là parce que j'ai le roman en ma possession, mais je n'ai jamais réussi à me lancer dedans. J'ai toujours cette petite appréhension parce que c'est de la jeunesse, très jeunesse je pense, et j'ai pas toujours envie de lire la jeunesse et je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu peur de me lancer dans ce récit. Je pense même que je l'avais déjà commencé et que je l'ai mis de côté pour une raison. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai peur de le reprendre. Et du coup je me suis dit, bah si je lis le graphique, peut-être que j'aurais plus envie de continuer. Le graphique ici reprend une partie, je pense que ça doit être la première moitié ou je ne sais pas exactement du premier tome, mais en tout cas c'est une adaptation qui ne prend pas tout le premier tome. Je vais pas vous résumer parce que je me souviens plus en fait, honnêtement. J'ai retrouvé un peu le même souci que j'avais eu dans l'adaptation graphique de Gardien des Cités Perdues, c'est que ça allait très très vite et du coup j'avais pas d'attachement aux situations, aux personnages. J'ai un peu retrouvé la même chose. J'aurais bien envie du coup de voir cette histoire de manière un peu plus approfondie. Ça me plairait bien de lire le roman. Maintenant j'ai pas forcément absolument envie de le lire tout de suite, mais c'est vrai que ça m'a donné la curiosité de lire le roman, donc en fait, c'est ce que je lui demandais. Donc oui, c'est une réussite au final, même si je pense pas que je lirai le graphique suivant. Ensuite, je viens vous parler de Rose Bertin, La couturière fatale, qui est un tome 1. C'est un petit manga que j'ai beaucoup apprécié, j'ai déjà acheté le tome 2. C'est un manga qui va nous parler du destin donc de Rose Bertin, qui est cette jeune couturière dans les années 1766 à Abbeville, qui va arriver à Paris, qui va devenir la rivale de Marie-Jeanne Bécou, la modiste la plus influente de la capitale. J'ai beaucoup apprécié les traits, c'était vraiment très très chouette comme lecture. Ça m'a donné envie de lire la suite, je vais voir ce que ça donne avec le tome 2. Pareil pour Heaven's Design Team, qui m'a été prêté par mon amie Céline contre son gré. Alors c'est très drôle parce que j'avais pas du tout envie de me lancer dans ce livre. Je l'avais vu dans la sélection de notre petite bibliothèque de vacances quand on est parti ensemble. Je l'avais vu, ça me tentait pas plus. Et en fait, elle m'a dit que elle avait entendu de très bons avis sur le livre, ce qui m'a donné envie de le découvrir. Et en fait, c'est super drôle. On va parler de dieux et de déesses qui vont créer les animaux. On va voir en fait la naissance de pas mal d'animaux. Et c'est super drôle parce qu'on voit les idées complètement loufoques de ces personnages. Il y en a un, il veut absolument créer un cheval et créer tous des animaux qui ressemblent à des chevaux. Et il se fait tout le temps rabrouer par les autres. Mais non, ton idée, elle est débile. Et en fait, c'est super drôle parce qu'on crée les animaux, des animaux qui existent vraiment. Et on nous parle des spécificités rigolotes de tous ces animaux sous forme de blagues. Mais à la fin, en fait, à la fin de chaque chapitre, on nous explique de manière un peu plus scientifique, je mets des grands guillemets, mais on nous explique que cet animal existe vraiment. Un des premiers chapitres, c'est la construction, la construction de la girafe. Et alors, on essaye de faire une girafe, sauf qu'en fait, elle tombe parce qu'elle est trop lourde. Sa tête est trop lourde. On nous explique comment ils ont eu l'idée de faire une girafe. Et puis, à la fin, la girafe apparaît. Mais au début, cette girafe ne ressemble à rien. Ses pattes sont trop légères. Et il y en a un qui veut absolument créer une licorne. Et c'est super drôle. En fait, c'est vraiment très, très drôle. Et j'aime bien le concept. C'est vraiment drôle. Et je pense qu'il y a une suite. Il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Et je pense que je me procure la suite volontiers.
Voilà, je crois que je l'ai très mal présenté, je ne savais pas trop comment le présenter. Ensuite, je viens vous parler du premier roman dont je vais absolument vous parler. Il s'agit de L'inondation de Evgeny Zamiatin, qui est un roman traduit du russe que j'avais acheté sur un coup de tête il y a quelques mois, qui était dans ma pile à lire. Et un jour, j'étais en panne de lecture au mois de juin, je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je vous ai un peu donné des petites astuces justement pour sortir de panne de lecture. Et ce jour-là, j'avais pris avec moi 2-3 petits livres. J'avais rien d'autre avec moi et comme je prenais les transports, je ne savais pas quoi lire, je me suis lancée dans celui-là. Et j'étais happée par quelque chose, parce que comme j'étais en panne de lecture, j'arrivais à rien lire, en tout cas rien lire en tant que roman. Et donc celui-là, il m'a happée, parce que je pense, déjà parce qu'il était court, mais aussi parce que l'histoire était très intrigante. Donc on est dans les années 20, on est à Saint-Pétersbourg, et on va suivre l'histoire de Sofia et de son mari, Trofim, je crois, Trofim. Et en fait, ils essayent d'avoir un enfant, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, dans le livre, on nous donne l'impression que c'est sa faute à elle, hein, mais bon, bref. Il y a cette culpabilisation qu'on ressent de la part du mari vis-à-vis de sa femme, qui fait un peu mal à lire. Et donc, on va suivre l'histoire de cette femme, et en fait, on voit sa désillusion, sa tristesse. Et un jour, elle va décider d'adopter une petite jeune fille. Sauf que très tôt, son mari va se mettre à avoir une liaison avec cette jeune fille. Sauf que ce n'est jamais noté comme problématique que cette jeune fille, je pense qu'elle est adolescente. C'est hyper glauque. Bref, on va voir un petit peu la détresse de notre héroïne qui va voir donc s'installer cette relation entre cette jeune fille et son mari. Et petit à petit, il y a une inondation qui apparaît. Il y a de plus en plus d'eau et on voit bien que les deux sont liés. Il y a quelque chose d'assez oppressant dans cette lecture. Il y a beaucoup de symbolique dans cette lecture. C'est un livre très court mais que je trouve très très fort de par ses symboliques. J'ai eu envie de tuer à plusieurs reprises le mari en question qui est hyper culpabilisant, hyper problématique. Ça m'a fait penser un petit peu à l'ambiance que j'ai ressentie dans La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas exactement la même histoire. J'ai ressenti les mêmes sensations que j'ai eues dans La femme de Gilles. Alors qu'ici, on est sur un récit très 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 court. On a vraiment cette ambiance très pesante, très lourde. Et cette sensation de se noyer petit à petit. C'est vraiment un livre pas facile à lire, je trouve. Mais l'écriture est très 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 précise, très belle. C'est pas une écriture extrêmement descriptive et réaliste, mais on est plutôt sur des symboliques qu'on comprend assez facilement. J'ai vraiment fort ressenti les émotions, les sensations de l'héroïne, alors que c'était pas décrit de manière hyper réaliste, hyper descriptive. C'était un roman d'ambiance pas très joyeux, avec une fin très particulière ou une certaine délivrance. Je vous laisse le découvrir, c'est pas un coup de cœur, mais ça m'aura donné quand même, ça m'aura sorti quand même d'une sorte de panne de lecture. C'est pas mal quand même. Ensuite, je viens vous parler des Portes perdues de Selene Maguire. Vous me l'avez conseillé sur Instagram parce que je vous avais dit que je voulais un livre court, punchy, qui me sort d'une panne de lecture. Et bon, ce qui m'a sorti véritablement d'une panne de lecture, c'est L'inondation et un autre que je vous présente après. Mais celui-là, dans la continuité, j'avais envie de lire quelque chose aussi court. Parce que je me rendais compte que j'étais pas prête pour commencer un roman plus long. Du coup, vous m'avez conseillé celui-là. Je l'ai acheté sous recommandation et je l'ai lu. Et c'est vrai que j'ai passé un très bon moment de lecture. Dans ce livre, on va suivre des enfants qui ont... j'ai trop chaud. Qui ont voyagé dans des mondes parallèles, dans des mondes... fantastique. Ces enfants sont ressortis de ce monde et pour la plupart cherchent à y retourner. Tous ces enfants vont être accueillis dans un orphelinat qui va les aider justement à avancer. C'est une dame qui tient cet orphelinat, elle connaît leurs souffrances, elle les aide, elle leur donne des cours. Enfin voilà, c'est un orphelinat, non, c'est plutôt un pensionnat, une école type Poudlard, mais pour les gens qui ont voyagé dans des univers différents. Donc tous ces enfants vont se retrouver réunis, je crois que c'est entre 12 et 18 ans, et on va suivre Nancy qui, elle, a voyagé dans un monde parallèle, qui rêve d'y retourner, et c'est sa famille qui l'a envoyée dans ce pensionnat, puisque ses parents sont désemparés, puisque quand elle sort de ce monde, ses parents, je crois, l'ont pas vue depuis des mois, et se sont demandé est-ce qu'elle a été enlevée, enfin, ils comprennent pas, et elle, sauf qu'elle a voyagé dans un monde fantastique, ils ne la croient pas, et donc ils veulent absolument qu'elle aille mieux, et donc ils ont entendu parler de
de son pensionnat et ils vont la mettre dans son pensionnat et donc elle va faire la connaissance d'autres gens. Ce qui est très particulier, c'est qu'on a une certaine diversité dans les personnages. On a des personnages qui ont été transportés dans des mondes très négatifs et d'autres très positifs. On a un personnage notamment qui a côtoyé des squelettes, des choses assez lugubres et glauques, et d'autres qui ont côtoyé des licornes et des choses très joyeuses. Et donc il y a déjà cette confrontation entre les deux, il y a déjà cette grande distance entre les deux. J'ai beaucoup apprécié la rencontre avec tous ces protagonistes, avec ces jeunes gens, très touchants. Il y a pas mal de diversité dans ce récit. Alors paradoxalement, je voulais un récit très court, c'est vraiment pour ça que je m'étais lancée dedans, et pour son histoire bien sûr. Et paradoxalement, j'ai été frustrée parce que c'était trop court, parce que j'aurais voulu en savoir plus sur certaines histoires, notamment l'histoire de Cade, qui est un personnage, je pense, qui est né petite fille. Elle arrive dans un univers, et sauf que elle ne se sent pas petite fille, elle se sent petit garçon. Et dans cet univers, en fait, on la rejette, on le rejette du coup, puisque dans cet univers, il n'accepte que les petites filles. Et ce personnage, je l'ai trouvé très intéressant, j'aurais voulu en savoir plus parce que je l'ai trouvé extrêmement touchant et on n'en avait pas assez. Dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'avais un peu comparé ce livre à un Chair de poule, puisqu'on a une sorte d'enquête autour de certains cadavres qu'on va retrouver. Et effectivement, j'ai dit Chair de poule parce que l'enquête, je ne l'ai pas trouvée folle. Je l'ai trouvé très très prévisible, ça va très vite, on devine très très vite qui a fait quoi, quand, comment. J'ai bien aimé, j'ai bien envie d'avoir la suite, maintenant j'ai pas absolument envie de lire les autres histoires, je lirai ça vraiment plus tard, j'ai vraiment pas ce besoin que j'ai parfois quand je termine un tome 1, ah il faut que je lise la suite sinon je ne peux pas m'en sortir, là c'était pas du tout le cas, donc voilà. Ensuite, je viens vous parler de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, qui est une de mes 4 lectures du mois de juin. Je vous avoue que c'est un peu compliqué pour moi d'en parler parce que j'ai pas des souvenirs très très clairs de cette lecture et c'est pas seulement dû au fait que je l'ai lu au mois de juin et qu'on est début août. C'est un récit qui m'a beaucoup plu, ceci dit, surtout la première partie qui va nous parler de Zhu dans les années 1345. On est en Chine et Zhu très vite va voir sa famille se faire massacrer. Elle va se faire passer pour son petit frère et elle va se réfugier dans un monastère et pendant très longtemps dans le récit, elle va se faire passer pour un homme. Et donc Zhu, c'est une petite fille et si on apprend qu'elle est petite fille, elle va se faire trucider, sauf qu'en tant que petit garçon, elle reçoit la protection un petit peu du monastère, même si c'est vrai que dans le monastère, elle ne vit pas forcément des choses très joyeuses. Nous avons des moines extrêmement problématiques, enfin voilà, il y a quand même quelque chose d'assez cruel. On va suivre non seulement ce personnage, mais aussi un personnage mauvais. Et on va voir un petit peu sa progression. Alors, j'ai aimé beaucoup la première partie parce que justement, j'ai adoré découvrir toute l'histoire de Zhu. Son enfance, la voir grandir, la voir se former, la voir se créer des relations avec des frères moines. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la première partie. C'est classé souvent en fantasy, sauf qu'on est plutôt vraiment dans notre monde. On est plutôt sur un roman historico-fantasy avec des petites dose de fantasy, mais on est plutôt sur un roman plutôt historique, avec de la guerre, de la vengeance. On a une construction politique assez intéressante, voilà, c'est assez développé de ce point de vue-là. C'est pas forcément le roman le plus page-turner, parce que je le trouve quand même assez riche dans cette description de l'univers. Un monde dont la politique est très bien construite, très bien présentée, je trouve. C'était pas trop compliqué à comprendre pour moi qui, de temps en temps, quand les univers politiques sont trop complexes, moi j'ai un petit peu du mal, j'arrive plus à suivre. Ici, c'était pas trop compliqué. J'ai réussi à suivre, mais c'est vrai que c'est assez dense comme lecture. Maintenant, ce qui aura fait que j'ai un peu oublié ce récit, c'est que je trouve qu'il y avait des problèmes de rythme. Il y a des moments où j'étais à fond dedans et puis des moments où le soufflet retombait et je m'ennuyais un petit peu, je voulais retrouver d'autres personnages et je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le rythme qui me dérangeait. Il y avait des chouettes scènes de bataille pourtant, ce chouette type de scène qu'on aime retrouver dans ce type de récit, mais j'étais de temps en temps perdue par justement un gros problème de rythme. J'ai beaucoup apprécié la relation de Zhu avec un personnage féminin. Entre elles va s'installer une très très belle relation que j'ai fort appréciée. Mais c'est vrai que ça m'a pas suffi pour avoir absolument envie de lire la suite. Je vous avoue que je suis un peu frustrée pour ce livre parce que j'aurais aimé vous en parler beaucoup plus. Mais je vous avoue également que j'ai tellement oublié en fait tout ce qui se passe dans ce récit que je sais pas vous en dire plus en fait. Et je pense même que 2 jours après l'avoir lu, si j'avais voulu en parler en vlog, j'aurais pas pu parce que j'avais déjà oublié beaucoup de choses. Je sais pas ce qui fait qu'on retient certains livres et d'autres on les oublie facilement, mais celui-là, il n'y a rien à faire.
je sais juste, j'ai retenu juste ce que j'ai adoré. Je pourrais vraiment pas vous formuler ce qui aura fait que j'ai complètement zappé ce livre, que j'avais même oublié que je l'avais lu quand j'ai dû reprendre tous les livres. Attends, il me manque un livre, c'est lequel? Et comme il est jaune et rouge et qu'on le voit bien, j'ai fini par le retrouver. Ensuite, je viens vous parler de la saga d'Irjin, dont je vous ai parlé également dans le dernier vlog, mais je sais que tout le monde ne regarde pas forcément les vlogs. D'Irjin, c'est un récit en deux volumes qui est un spin-off d'une autre saga que je n'ai pas encore découverte. Je l'ai mise dans ma wishlist. Je pense que je vais aller voir dans mon magasin de manga s'ils ne l'ont pas. D'Irjin, c'est l'histoire d'un jeune homme. Je pense que ça se passe dans les années 50, si je ne me trompe pas. Donc, ça ne se passe pas à notre époque. Donc, on a un côté un peu rétro, très sympa. L'histoire d'un jeune homme qui est avocat, qui travaille justement pour des histoires de divorce, pas mal de choses comme ça. Et un jour, il va perdre un dossier très très important et en sortant de son cabinet d'avocat, il va croiser un jeune homme. Et ce jeune homme, il a travaillé pour lui en tant qu'employé, je pense, de nettoyage, il me semble. Et il a retrouvé ses dossiers. Et donc, pour le remercier, il veut faire quelque chose parce que ça lui sauve la vie d'avoir retrouvé ses dossiers. Et en fait, il va lui proposer de travailler pour lui dans sa maison puisqu'il a beaucoup d'ordres à faire. Il n'arrive pas à gérer le ménage et tout ça. Et donc, ce jeune homme, en plus, il a l'air d'être à la rue. Il a pas l'air d'avoir d'habitation, donc ça tombe bien, il va le prendre sous son aile, et ce jeune homme s'appelle Jin. Et comme vous vous en doutez, l'histoire s'appelle Dirjin, donc on va parler de ce personnage et de la relation entre les deux. Petit à petit, va s'installer une relation amoureuse. Alors, on est sur une romance. Attention, pour public averti, ce que je n'avais pas vu, et c'était assez drôle d'ailleurs, parce que je le lis et tout d'un coup, je tombe sur une scène... Ah ouais, comme ça, tout de suite, ok, bon, d'accord. Et puis après, il y a pas mal de scènes sulfureuses, très très chouettes, hein. C'est juste que je m'y attendais pas, du coup, j'étais quand même assez surprise. Et en fait, oui, c'était écrit sur le dos du livre, public averti, sauf que c'est écrit en tout petit et en noir, juste au-dessus du code barre, et moi, j'avais pas vu ça. Et donc, je pense qu'il devrait quand même l'écrire en plus grand, et peut-être en rouge, je ne sais pas, une autre couleur. On a pas mal de scènes, effectivement, sulfureuses, qui sont bien dessinées. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le dessin de ce livre, c'est pour ça qu'il est assez haut dans mon classement ici, parce que le dessin, j'ai trouvé très précis, très fin. J'ai beaucoup aimé donc les dessins, la couverture d'ailleurs est splendide. Voilà, une très très belle histoire, il y a juste un truc qui m'a fait un petit quai sur la fin, je trouvais ça dommage, une petite chose, mais sinon vraiment une très très belle histoire, et ici on est vraiment sur une très très belle histoire d'amour en deux tomes. Et donc merci Céline de m'avoir prêté ces livres-là qui étaient dans notre petite bibliothèque commune de vacances quand on est partis tous les quatre. Ensuite je viens vous parler d'un livre que j'avais très envie de lire cette année, parce que j'ai relu un livre de Sawako Ariyoshi, J'avais lu Le miroir des courtisanes l'année dernière, qui était un gros coup de cœur, qui faisait partie de mes lectures préférées de l'année. Et donc cette année, je me suis lancée dans Les dames de Kimoto, qui est beaucoup plus court. Bon, j'ai toussé, donc je pleure. Ça n'a rien à voir avec vous. Je ne suis pas triste. On a un petit peu, comme dans Le miroir d'une courtisane, le côté chronique de femmes au Japon, dans une partie du XXe siècle. Autant dans Le miroir des courtisanes, je pense que c'était de 1900 à 1960, un truc comme ça. Ici, on est plus sur la fin du XXe siècle à aujourd'hui. C'est également des chroniques de femmes sur plusieurs générations. On va surtout suivre Anna. Anna, c'est celle qu'on suit le plus longtemps puisque c'est le personnage central de ce récit. Et on va suivre ses enfants, on va suivre ses petits-enfants. Enfin voilà, on est sur plusieurs générations. Et ce livre sonne un petit peu comme une chronique. Donc on va voir la manière dont Anna va épouser son mari, la manière dont elle va avoir ses enfants. Tout ça avec l'historique du pays. C'est parfois déstabilisant cette lecture parce qu'il y a beaucoup de sauts dans le temps. Donc on vit par exemple une émotion, par exemple sa relation avec son beau-frère, Anna et son beau-frère, on vit une émotion et puis paf, on passe un mois plus tard et on parle de toute autre chose. Donc il y a quelque chose d'assez déstabilisant dans ce récit. Les sauts dans le temps sont assez récurrents et parfois il y a des sujets dont on parle au début qui sont abandonnés, laissés de côté. Parfois ils reviennent, mais parfois certains sujets ne reviennent jamais. Donc il y a quelque chose de très déstabilisant dans le choix des sujets abordés. Maintenant, c'est un livre très très moderne, je trouve, avec pas mal de thématiques très intéressantes autour de la femme, justement. Anna, elle a fait le choix d'être une femme au foyer, d'être la femme parfaite, de faire tout pour que ses enfants, son mari soient heureux, et ça la rend elle-même heureuse. Et en même temps, on a un personnage très contrasté avec Fumio, qui est sa fille, et elle qui revendique son désir de faire des études, d'avoir un métier, de ne pas être femme au foyer, justement. Elle est fortement opposée à sa mère, et elle pointe du doigt tout ce qui ne va pas dans la vie de sa mère. Ce personnage est très revendicateur et très...
révoltée, tout le temps en colère. Elle trouve que sa mère est trop gentille avec tout le monde. Ce que j'aimais beaucoup chez Anna, c'était sa douceur, justement, sa gentillesse, sa bienveillance. Fumio, du coup, elle me frustrait parce qu'elle était extrêmement vindicative, elle était tout le temps dans la provocation, dans la colère, et ça m'agaçait un petit peu, même si je comprenais exactement son combat de vouloir elle-même se détacher de cette vie de femme au foyer, d'avoir sa propre vie, d'avoir son métier, d'être une femme libre. On comprend les choix de l'une et de l'autre, mais c'est vrai que Fumio devenait très vite agaçant parce moi je m'étais fort attachée à Anna. C'est une lecture que j'ai bien appréciée. Maintenant, tous ces petits sauts dans le temps, autant dans Le miroir des courtisanes, c'était beaucoup plus long, on a pris beaucoup plus de temps de développer notre héroïne dans Le miroir des courtisanes. On avait principalement deux personnages. Ici, il y a plus de personnages et c'est sur moins longtemps puisque c'est un petit livre. Et donc ces petits sauts dans le temps, ce côté vite on passe à autre chose m'a fort déstabilisée. Et donc ça a fait que ce ne sera pas un coup de cœur et que j'ai vraiment préféré Le miroir des courtisanes. Mais c'était intéressant d'avoir ces points de vue-là. Voilà. Le livre suivant est un livre que j'ai fini par acheter et par lire suite à la grande, grande, grande propagande de Lucie, de la chaîne Lucie a lu. Ça fait longtemps qu'elle en parlait. Et j'hésitais toujours, je ne sais pas pourquoi, à l'acheter. Et en fait, je l'ai acheté. Je l'ai lu quasi immédiatement. Donc il s'agit de Pallas dans le ventre de Troie de Marine Cateron aux éditions Rouergue. C'est Carteron, pas Cateron. Alors, c'est un livre, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais pareil pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, je vous dis un petit peu le contexte. C'est un livre qui va parler donc de mythologie, surtout de la guerre de Troie. Ça se passe le début, 56 années avant la chute de Troie, et progressivement, je pense, au fur et à mesure des tomes, on va arriver à la chute de Troie. Le contexte, c'est que moi, au niveau mythologie, je n'y connais pas grand-chose. J'ai jamais été intéressée par la mythologie toutes ces années. Je vous ai déjà dit, mais moi, les cours de philo... Pff, voilà, dès qu'on parlait de mythologie, je fouillais parce que ça ne m'intéressait pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a à peu près un an, j'ai lu un livre qui m'a fort intéressée, c'était La Reine d'Ithaque. Et depuis, j'ai lu plusieurs livres autour de la mythologie. Mais sachez que mon bagage autour de la mythologie est très petit, je n'y connais pas grand-chose, j'ai toujours fouillé ce sujet qui ne m'intéressait absolument pas. Et donc là, c'était avec un grand appétit que j'avais envie de le lire parce que vraiment, je n'y connais rien. Donc c'est chouette aussi pour moi de découvrir tout ça. Et donc j'ai découvert Pallas avec grand plaisir. C'était vraiment un livre très prenant, qui se lit très vite, avec une plume, je trouve, très adaptée aux personnages qu'on va suivre, puisqu'on suit différents personnages, notamment le personnage d'Hésione. On va voir l'histoire de ce personnage, son héritage familial, le destin de ce personnage vraiment intéressant. On suit d'autres personnages, on suit des dieux, des déesses, notamment Athéna, toutes sortes de dieux, tous les personnages qui gravitent autour de la fameuse histoire de Troie. Il y a beaucoup de bruit dans la rue, j'espère que vous n'entendez pas, j'en suis vraiment navrée. C'est vraiment très page-turner, très pétillant, c'est super chouette. En plus, je trouve que les femmes dont on parle dans le livre sont vraiment très bien mises en évidence, notamment le personnage d'Hésione, c'est celui que j'ai préféré, c'est un des personnages principaux, elle est vraiment bien présentée. L'histoire d'Athéna est très très belle également. On a des petites révélations sur la fin, notamment qui sont des révélations pour moi, forcément, vu que moi je n'y connais rien. Mais donc, voilà, les personnages féminins sont très bien mis en évidence, alors que dans la mythologie, je pense qu'elles sont quand même assez dédaignées. Alors, la seule chose qui fait qu'il n'est pas un gros coup de cœur, c'est que j'ai été plusieurs fois frustrée. Parce que y a des personnages que je ne connais pas, il y a des références, il y a des citations que moi je ne connais pas, puisque moi la mythologie je n'y connais rien. Donc parfois il y a des petites références ou un personnage dont on parle juste une fois et en fait... oui, si tu connais la mythologie, oui, ça te parle, mais moi, ça ne me parlait pas. J'aurais peut-être dû lire le glossaire, effectivement, qui aurait pu m'aider pour certaines choses, ce que je n'ai point fait, que j'aurais dû. Mais il y avait ce côté très frustrant, parce que moi, quand je lis, j'aime bien tout comprendre. Je ne veux pas juste qu'on me cite une référence et que je sois perdue. Moi, je veux absolument tout comprendre. Et donc... parfois, je me disais, ah, mais en fait, ça, je connais pas, hein, l'histoire de machin, et donc, il faut absolument que je me renseigne. Moi, j'aime pas ne pas comprendre tout ce que je lis, je veux absolument tout comprendre. Parfois, je lis 10 fois la même phrase, j'ai une lecture assez systématique, assez bizarre, hein. Je prends beaucoup de temps pour lire, justement, parce que parfois, quand je comprends pas aussi des formulations de phrases, quand elles sont un peu maladroites, ou alors quand c'est trop bien écrit pour moi, je relis 10 fois pour bien comprendre, donc je m'imprègne à 100%, à 200%,
du récit en général. Et donc ici, je suis beaucoup retournée en arrière pour me rappeler, attends, c'est qui lui? C'est un dieu? C'est quoi? Quel type de personne? Quel être surnaturel? Enfin, vous voyez, j'avais besoin de savoir, d'avoir ce genre d'informations. Voilà, maintenant je lirai la suite avec grand plaisir, mais je pense que j'attendrai d'en savoir un petit peu plus sur la mythologie, plutôt que là, avec mon bagage actuel, je trouve que ce n'est pas suffisant pour l'apprécier à sa juste valeur. Je pense vraiment, je vous en ai parlé également en vlog, mais je pense vraiment que pour quelqu'un qui a jamais lu de livre autour de la mythologie, c'est peut-être mieux de lire un livre autour d'un personnage. Je pense à Galatée, par exemple, Ariane, on parle d'un personnage et on vient un petit peu présenter des personnages autour d'une seule histoire, mais quand il y a plusieurs histoires qui sont mélangées comme ça, moi je suis vite perturbée. Alors, je sais que c'est écrit pour la jeunesse, hein, mais pour mon type de lecture, pour ma personne en tout cas, c'était... Ah, j'avais pas assez de bagages. Je pense que ça peut être une chouette lecture pour n'importe qui, mais si comme moi, vous avez besoin de tout comprendre, d'avoir toutes les références et tout ça, je pense qu'il faut peut-être attendre d'en savoir un peu plus sur la mythologie, d'avoir peut-être le bagage de n'importe qui, mais le mien n'est pas suffisant en tout cas. Donc voilà, j'espère que c'était clair ma présentation. Ensuite, je viens vous parler de Make Up With Mud, dont je vous ai parlé également dans le vlog. C'est aussi une petite saga de graphique qui m'a beaucoup plu. J'ai lu donc le tome 1 et 2, qui va nous parler d'une jeune fille qui est en couple avec un monsieur assez problématique, puisque dès le début, il y a une scène très trash où elle arrive maquillée et lui, il est là, bah non, ça te va pas, t'es moche, tu es déguisée, tu fais ça super mal en plus, enfin, il est odieux avec elle. Et donc, dès qu'elle est maquillée, il est immonde, il y a quelque chose qui se passe et il devient immonde et ça révèle bah, sa personnalité, hein, puisqu'il est hyper problématique. Donc, leur relation est problématique de base, mais là, ces sujets-là mettent en évidence la problématique du gars. Et en fait, dans l'histoire, elle va rencontrer... une jeune femme qu'elle va trouver magnifique, hyper bien maquillée, elle va être éblouie par son maquillage, elle va tout de suite lui dire « Oh madame, je trouve votre maquillage magnifique » et la personne va lui dire « Je suis pas une dame, je suis un homme » et donc elle va lui parler, il va lui parler de son maquillage, comment elle fait, et entre eux va s'installer une relation, je pense qu'il y aura une histoire d'amour, il y a une très belle relation qui naît entre les deux. Bref, c'est une très belle histoire, assez sombre, j'ai hâte de voir la suite. Moi je crois que je vais aller me procurer le tome 3 pareil quand je vais faire une sortie manga. Je sais pas quoi dire d'autre parce que vraiment je comprends pas qu'il soit pas plus connu. C'est un livre bah, qui est pas souvent dans les rayons. Je sais que certains vendeurs ne le vendent pas parce qu'il n'a pas eu de succès, alors que c'est vraiment une belle histoire. Je comprends pas trop. Peut-être que c'est la thématique qui fait fuir un peu, genre la couverture Make Up With Mud. Alors c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus noir en fait que ça laisse paraître. En plus, je trouve que la thématique autour du maquillage est bien abordée. Ouais, vraiment, le rapport au maquillage est vraiment bien abordé. Ça déconstruit certains préjugés aussi que je trouve vraiment chouette. La déconstruction, pas les préjugés. Si j'arrive au dernier livre de cette sélection, il y a encore 4 graphiques et 2 romans, donc c'est parti. Je vais commencer par le tome 2 de Tokyo Alien Bro, l'histoire de 2 extraterrestres qui vont arriver sur la Terre pour essayer de comprendre les humains. Donc ils vont se mettre, ils auront l'apparence d'humains et ils vont se noyer dans la masse pour vivre en tant qu'humains. Et dans le premier tome, il y avait ce côté très très loufoque du regard de ces personnages sur les humains qui essaient de comprendre pourquoi les humains font telle ou telle chose. Dans le tome 2, on développe un petit peu plus certaines relations justement. On a une petite révélation à la fin du tome 1, on en parle un petit peu plus dans le tome 2. J'ai trouvé le tome 2 extrêmement drôle en fait. J'ai beaucoup ri, il y a beaucoup de passages d'aberrations que vont faire ces extraterrestres. C'est très rigolo. Il y a des jolis messages aussi qui sont laissés dans ce graphique. J'ai très envie de lire la suite, je crois que je vais... En fait, je dis ça pour tous les mangas, mais j'ai pas non plus 28 000 euros à dépenser en livres. Donc, je pense que je vais faire des choix. Et c'est vrai que parmi les choix que j'ai le plus envie de faire, il y a quand même le tome 3 de Tokyo Alien Bros. Je pense que ce sera plutôt celui-là qui sera en priorité. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment une très, très chouette lecture. Drôle, piquant, avec de jolis messages. Par moments, c'est très touchant d'ailleurs. À un moment, un des deux extraterrestres, ils se sont un peu délaissés. Il a envie qu'on l'aime. Il a l'impression qu'on le prend pour un plouc. Et c'est très touchant. Il reçoit un moment un câlin et j'ai presque versé une larme. C'est vraiment une très chouette histoire avec beaucoup, beaucoup d'humour et c'est très cocasse parce que c'est vraiment une histoire qu'on n'a jamais vue nulle part, quoi. Ensuite, Marshmallow and Jordan, dont je vous ai parlé également dans le dernier vlog, qui est un récit très très joli. Je pense que ça se passe en Indonésie. J'avais dit ça également
dans le vlog, j'ai pas été vérifiée depuis, et peut-être je dis de la merde, hein. Je pense que ça se passe en Indonésie, c'est l'histoire d'une petite jeune fille qui rencontre un éléphant, cet éléphant s'est blessé à la patte, et elle va demander à sa maman, qui est vétérinaire, de le soigner, et ça va devenir son meilleur ami à qui elle donne le prénom de Marshmallow, parce qu'il ressemble vraiment à un marshmallow. Et donc Marshmallow va l'aider à vivre certaines difficultés puisque Jordan en fait est hémiplégique. Elle était membre d'une équipe de basket sauf qu'elle a eu un accident et donc elle ne peut plus se servir de ses jambes. Et donc elle ne peut plus faire de basket forcément. Elle va être donc soutenue très fort par Marshmallow mais aussi par beaucoup de ses amis. Il y a des histoires de rivalité, il y a des histoires d'amitié justement, de disputes, etc. Donc il y a un côté très école, hein, avec des petites disputes, c'est du coup un livre très jeunesse. Le sport est très important dans ce récit, puisqu'à un moment elle va faire partie d'une équipe, je vous avais dit en vlog que je suis nulle en sport, et c'est toujours le cas hein, depuis le vlog, c'est-à-dire que je pense qu'elle fait du water polo, mais peut-être que c'est un autre sport dans l'eau. Elle va donc faire partie de cette équipe de sport, et donc il y a beaucoup de scènes de sport, des scènes de compétition, mais j'ai bien aimé, malgré le fait que le sport c'est pas ma passion, j'ai bien aimé ces scènes parce qu'il y a le côté rivalité, compétition, où t'es pour l'un, pour l'une, voilà, c'était chouette ça, toutes ces scènes-là. Et il y a des belles histoires d'amitié, il y a un beau message sur la fin, j'ai eu le cœur serré. Les dessins sont très très beaux, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le décor aussi, c'est vraiment original je trouve. Donc une chouette petite lecture. Je me suis lancée dans le goût des fraises, j'ai découvert cette petite saga très très mignonne. C'est un petit peu dans la même vibe que L'amour est dans le thé, même si je préfère le goût des fraises, c'est un peu dans la même vibe que... The Blue Flowers. Pardon, je suis morte de rire parce que Céline m'a dit que dans les vidéos je transformais le nom de cette saga de manga et qu'à chaque fois je disais un autre nom, donc je vais l'appeler The Blue Flowers. Voilà, Céline, tu peux avoir un fou rire maintenant. Bref, c'est un peu la même vibe que ces livres-là. Maintenant, je préfère ça que L'amour est dans le thé parce que je vous avais dit, j'avais été déçue par L'amour est dans le thé parce que ça, on parle pas assez de thé ici. Le goût des fraises, on parle des fraises. Voilà, il y a beaucoup de petites fraises, c'est très important les fraises. Et donc, c'est l'histoire de Sarah qui est une étudiante de 20 ans qui va remplacer son grand-père qui est à l'hôpital, qui travaille justement dans des plantations de fraises, dans l'exploitation de fraises familiales. Et elle va être aidée par Minori, qui est un producteur de 33 ans. Bon, l'écart d'âge est quand même assez grand, mais... Voilà, elle n'a pas 15 ans, quoi. Elle a 20 ans, ça va. C'est vraiment une histoire très très douce entre ces deux personnages, comme on commence à s'apprivoiser. Elle est plein de fougue, plein d'énergie, et lui, il est tout calme. Et j'aime beaucoup la différence des énergies des deux personnages. C'est vraiment très choupinou. J'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup le côté, justement, exploitation de fraises. On parle de fraises, on voit que le gars, il est fou des fraises. Il a même une gourde, je pense, avec des petits smileys de fraises. C'est très très mignon. Franchement, je passe un très bon moment avec cette saga. Je suis en train de lire le tome 2. Je me régale et j'allais dire je vais m'acheter le tome 3 mais je pense qu'on a déjà eu cette conversation vous et moi. Ensuite on va passer à mes trois meilleures lectures de ces deux derniers mois. On va commencer avec le livre qui m'a véritablement sorti de panne de lecture puisque je vous avais dit que effectivement l'inondation petit à petit commençait à me faire sortir de panne de lecture, mais vraiment le livre qui m'a prise au trip qui a fait que voilà, là, je me suis relancée vraiment dans la lecture. Il s'agit de Prodige de Nancy Houston. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Lara, qui est une jeune femme, une jeune pianiste, très impliquée dans son travail de pianiste, concertiste, mais également de professeur. C'est une femme qui aime sa mère de tout son cœur. Elle vit d'ailleurs avec celle-ci. Elle est mariée à Robert, il me semble, et elle va assez vite tomber enceinte. Elle va tomber enceinte et malheureusement, elle va accoucher prématurément de ce bébé. Et même prématurément, je pense même que c'est pas possible que le bébé soit en vie. Vu, je sais pas depuis combien de mois elle est enceinte, mais je crois que c'est pas possible que ce bébé soit en vie. Donc il y a un côté un peu conte dans cette histoire, sur certains points, sur certains aspects du récit, un côté conte. À partir du moment où elle va accoucher de ce bébé, elle va être complètement transformée. Parce qu'en fait, elle va être l'unique relation avec ce bébé, le médecin va lui dire il faut absolument que vous installiez un contact avec ce bébé pour qu'elle reste en vie puisque ce bébé menace de mourir à tout moment, il faut absolument qu'elle installe un contact. Et en fait Lara va tomber dans une espèce de dépression de folie terrible avec ce bébé. Elle va lui parler tout le temps et elle va être il y aura quelque chose qui va se briser en Lara quand ce bébé va naître. Et on va suivre aussi le bébé plus tard. Donc on sait que le bébé a survécu, c'est Maya. Maya, c'est une petite jeune fille
très joyeuse, qui fait également du piano. On va voir donc ce personnage, on va le voir évoluer. Il se passe pas tellement de choses dans ce récit, c'est vraiment très très court, mais c'est un récit extrêmement magnifique qui va beaucoup parler de musique. Si comme moi vous êtes dans le monde musical, je pense qu'il va vous plaire parce que c'est très bien fait et je trouve que c'est très réaliste la manière dont on parle de musique. C'est pas trop la musique fantasmée, enfin je sais pas comment expliquer, mais on voit que l'autrice s'est renseignée. C'est vraiment très très beau. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce récit, c'est justement la narration, puisque la raison pour laquelle je l'avais commencé, c'est parce que c'est un récit polyphonique avec donc une alternance très régulière de voix, de personnages, et donc sur une page, tu as parfois deux personnages. Donc là, on a Lara et Sophia sur la même page, et parfois tu as un personnage pendant 5 pages. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez rythmé dans la narration. Et moi, justement, comme j'étais en panne de lecture, c'était assez efficace parce que ma concentration était très faible et donc je pouvais lire un paragraphe ou un personnage et puis faire une pause et passer à autre chose, vous voyez. Il y avait quelque chose qui était assez efficace en cas de panne de lecture. C'est un récit principalement féminin puisqu'on suit essentiellement des femmes. Très rarement, on a le point de vue d'un voisin, du mari, d'un ami, mais globalement, on est autour de 3 femmes. On a 3 générations donc de femmes, la grand-mère, la mère, la fille, et aussi des différentes façons de voir la musique, que ce soit via la grand-mère qui a une approche très systématique, très précise, du texte très proche du texte, qu'on a la fille et la petite fille, elles ont une approche assez différente de la musique de Bach globalement. C'était très beau, une très très belle histoire qui parle de musique. Alors maintenant, il y avait des passages parfois un petit peu trop oniriques, un peu trop d'envolées, mais sinon, c'est vraiment une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée, vraiment, qui m'a sorti du mal de lecture. Donc voilà. Ensuite, je parle de Nos rendez-vous gourmands de Gengoro Tagamié, qui est une histoire d'amour entre 2 jeunes hommes autour de la nourriture. C'est une histoire très sensible, très très douce, que j'ai fort appréciée. 2 personnages très touchants. C'est un peu la même histoire hein, qu'il y a dans L'amour est au menu, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus belle ici. C'est la même personne qui a écrit Marie de mon frère que j'avais adoré. J'ai retrouvé vraiment cette douceur, cet humour aussi. Alors ce qui est particulier, c'est que ça se passe pendant le Covid, pendant le confinement il me semble, et on voit la difficulté de l'un par exemple à se faire à manger. Il se prend toujours des trucs en dernière minute et entre eux va s'installer une relation, bon d'abord de nécessité de bien se nourrir, mais il y a aussi cette relation entre les deux. C'est vraiment très très doux, très touchant, une amitié qui se développe en autre chose. C'était très doux. Je suis un peu déçue de savoir que c'est un one shot. J'ai cru comprendre que c'était un one shot parce que j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur eux deux. Ils sont vraiment très très beaux, très mignons. Enfin bref, j'ai été très touchée. Et je vais terminer par le coup de cœur de cette vidéo qui est Méduse de Jessie Burton, qui est donc une réécriture de l'histoire de Méduse. Si vous me suivez, vous savez que j'ai lu Méduse d'India Desjardins l'année dernière, qui est un récit que j'avais apprécié, même s'il m'avait fort déstabilisé, puisque c'est une réécriture hyper libre de Méduse, hyper moderne, hyper particulière de Méduse. Ici, c'est une réécriture un petit peu plus mythologique avec, oui, on est vraiment dans la mythologie. On suit donc l'histoire de Méduse, hein, qui est une jeune femme qui reçoit la convoitise de Poséidon, sauf que elle ne veut pas de cette convoitise de Poséidon, et un jour Poséidon va malheureusement lui faire du mal, hein, et Athéna est fortement jalouse et donc va transformer Méduse en gorgone, et donc elle va avoir des cheveux en forme de serpent, et surtout elle va avoir une malédiction qui est qu'elle ne peut pas croiser le regard d'un homme, sinon il arrive à cet homme quelque chose de terrible. Méduse se retrouve sur une île déserte avec ses sœurs qui sont également transformées en gorgones. On va voir justement la relation entre les sœurs et Méduse. Méduse est sur cette île depuis 4 ans quand arrive un jeune homme sur son bateau, un jeune homme absolument magnifique dont elle va tomber sous le charme. Ce jeune homme, c'est Persée. Et entre eux va s'installer une relation. Alors Méduse ne peut pas se montrer parce qu'elle sait qu'elle a la malédiction et donc elle va communiquer avec Persée juste en parlant entre eux. Donc elle va lui raconter sa vie sans lui dire le principal. Et Persée va également lui raconter sa vie sans lui dire le principal. Alors c'est une histoire tout à fait attendue, bien sûr, surtout si vous connaissez le mythe de Méduse. Moi, je le connais, mais enfin, je le connais parce que j'ai lu un autre, parce que sinon, comme je vous ai dit, moi, la mythologie. Mais par contre, je connaissais pas l'histoire de Persée, même si j'avais des doutes
un sur qui, quoi, quand, comment. C'est vrai qu'on voit assez facilement où ça va venir et c'est pas forcément ça le sujet, hein. Ce que nous a proposé Jesse Burton ici, c'est une réécriture. Un personnage, Méduse, elle nous a créé, développé ce personnage, nous a mis en évidence ses souffrances, la densité de sa souffrance. Je trouve que qu'avec ce récit, Jesse Burton nous a proposé quelque chose d'extraordinaire, parce que avec une histoire donc rocambolesque comme des histoires de mythologie qui parlent de magie, de choses un peu folles, elle arrive à nous toucher avec un personnage Méduse qu'elle nous rend très humain, qu'elle nous rend très proche de nous sur certains aspects par ses incertitudes, par ses questionnements, toutes les choses auxquelles aspire Méduse. En fait, on s'y retrouve. Parce que c'est bien décrit, c'est bien écrit. Jesse Burton, elle a réussi à nous la rendre humaine, à nous la rendre proche de nous. Elle nous rend acteurs de notre lecture puisqu'on s'identifie très fort à Méduse, parfois à Persée, mais vraiment plus à Méduse. C'est très actuel, on peut d'une manière ou d'une autre se retrouver en Méduse, on peut d'une manière ou d'une autre se retrouver dans cette situation. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage, surtout sur la fin. Il y a quelque chose qui change chez le personnage qui m'a énormément plus. J'ai adoré donc ce message final qui était très 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 beau, très parlant. Ça c'est je trouve la force d'une écrivaine, c'est de transformer des histoires pour les rendre actuelles, pour les rendre proches de nous et c'est vraiment ce qu'elle a fait avec Méduse. Donc Jesse Burton encore une fois, gros coup de cœur. Je pense pas qu'il y a un seul livre de Jesse Burton qui m'a déplu. Donc voilà, je vais continuer sur ma lancée en découvrant les titres de cette autrice. Je l'adore. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce point lecture qui aura été très très long, je pense. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été redondant pour ceux qui auront vu le vlog, mais en même temps, il y a d'autres livres dont je ne vous avais pas encore parlé. J'espère vraiment que vous allez bien. Je pense que la semaine prochaine, je parlerai des sorties de la rentrée littéraire en vous faisant une wishlist de tous les livres jusque décembre. Donc tous les livres qui sortent. Pardon, pas tous les livres, tous les livres qui sortent et qui m'intéressent, qui sortent entre fin août et décembre. Je vais vous présenter quelques sélections. Voilà, je pense que ça peut être chouette, ça va vous donner des envies. Et je pense que ça va sortir un tout petit peu avant la rentrée littéraire, donc ce ne sera pas trop frustrant non plus s'il y en a qui vous intéressent justement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!